Y a-t-il un Français dans la salle? Oui. Oui, il y en a même deux. Il y a moi, Frédéric Dard, et moi, San Antonio. Mais je n'ai pas l'intention de rester seul longtemps, car je sais qu'il y a en France suffisamment de Français qui souhaitent partager la vérité avec moi. Toute la vérité, rien que la vérité, mes quatre vérités. Ça, c'est l'amitié Dard-Mocky, c'est-à-dire qu'en fait, Dard, j'avais joué une pièce, je doublais Robert Hossein, La neige était sale, ça s'appelait, c'était Dard qui avait fait l'adaptation du roman de Simenon, et j'avais connu Dard là, mais à ce moment-là, il était tout le temps avec Robert, il faisait sa carrière avec lui, et il n'était pas question que je fasse quelque chose avec lui, et puis après, ils se sont séparés, et quand j'ai lu « Y a-t-il un Français ?», j'ai dit « c'est pour moi, ce bouquin formidable ». Je suis allé le voir, il m'a donné les droits, et on a fait le film qui a été, alors, mon plus grand succès de salle. On a fait près de 4 millions de spectateurs, 4 200 000, ce qui atteint aujourd'hui ces scores des petits mouchoirs ou des choses comme ça. C'est déjà fait, moi.